Salut les gens, c'est Shadow. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play spécial 700 abonnés. Nous avons atteint les 700 abonnés et pour vous remercier, je vous lance deux nouveaux let's play où j'accomplirai pour chaque épisode un défi que je lancerai un Stropole dans la description. Aujourd'hui, il n'y aura pas de défi, mais pour le prochain épisode, je lancerai un défi et nous ferons un Nuzlocke défi challenge. Alors Nuzlocke défi challenge, c'est bien sûr un Nuzlocke, mais en plus avec des défis que je mettrai dans le Stropole et que vous voterez. J'espère que ça vous plaira. Et nous allons commencer maintenant. Alors. C'est Pokémon noir, Pokémon version noire. Je voulais faire à la base, je voulais essayer de faire un remake. Enfin non, pas un remake, mais bon. Je sais pas quoi là, comment ça s'appelle. Comment dire? Je voulais faire un random, mais bon. Hello! Hello! Bienvenue dans le monde des Pokémon! Mon nom est Ketelaria! Mais tout le monde m'appelle Professeur Pokémon! Yeah? Eh oui, ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon! Les Pokémon ont tous des pouvoirs, une apparence et un habitat particulier! Ils vivent en paix avec les humains et se contemplent et se complètent, s'entraident, et leur arrive même de faire des grandes choses ensemble. Oh là 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 là. Les mâts de Pokémon, par exemple, sont très populaires et permettent d'approfondir les liens entre Tracer et son équipe Pokémon. Et donc moi, justement, j'étudie ces fameux Pokémon. Bon, j'ai enfin fini avec mon monologue. Parlons un peu de toi maintenant. Alors, es-tu un garçon ou une fille? Ouais. Ah. Ah. Eh ben, on est. Je t'avoue que. À la limite, je veux bien. Oh là 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 là. Je sais pas. Je prends un garçon ou la fille? On va prendre le garçon. Non. À la limite, j'aime plus le chara-design de la fille que le garçon. Attendez, je vais réfléchir dans ma tête. Bon, vous savez quoi? Je vais prendre la fille. Une fille, c'est bien ça? Oui. Et quel est ton nom? Oronto. Mon nom. Je vais m'appeler. Attendez, je reviens. Je vais m'appeler Shady. Non, pas B. Shady. Shady, si juste! Oui. Tu t'appelles Shady, j'adore ce nom! Si vous voulez que je recommence l'aventure et que je change de nom et de perso, dites-le moi. Et maintenant, pourrais-tu me parler de ce garçon un peu plus âgé qui habite près de chez toi? Pourrais-tu me rappeler son nom déjà? Il s'appelle. Matisse. Non. On va l'appeler. Ah, je sais plus comment il s'appelle l'autre là. Bon, on va l'appeler. On va l'appeler Kless.
Non, Vapé. Close. 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 Et non pas close. Oui, c'est écrit close, mais non, en vrai, c'est close. Son nom, c'est Close. Shanice. Shanice. Maman, comme je t'avais confiance, je vais te confier un Pokémon. J'espère que tu en prendras bien soin. Dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton fidèle compagnon de jeu, ton aventure commencera. Au cours de tes pérégrinations, tu vas rencontrer d'innombrables Pokémon et une foule de gens avec des opinions et des idées très variées. J'espère que tu retireras chaque chose d'unique et de toutes ces rencontres et qu'elles te feront grandir. C'est l'objectif principal de ce voyage. Bon, trêve de bavardage, en route pour le monde des Pokémon. Et c'est parti mon kiki. T'en as déjà un, moi? C'est l'été. C'est l'été dans la région du Nice. Game Freaks vous présente cinématique tout à fait badass. Pokémon Noir 2. Version Noir 2. Putain, j'ai foiré à l'intro. Punaise, badass la ville. Eh, c'est Klaus là-bas avec sa sœur. Et voici maman. Maman. Le vol qui... Allô? Oui? Kedéria, ça faisait si longtemps. Ah, regarde sa main. Eh, regarde sa main. Un Pokédex pour mon trésor. Mais ce serait génial. Je me disais justement qu'elle était grand et qu'elle était grand temps. Que mon enfant vole de ses propres ailes. Oui, je viens. Elle vient ici. Tu dis, elle vient ici, tu dis. Comme toujours, quand tu as une idée en tête, tu ne perds pas de temps. Bianca, avec un gros chapeau. Entendu? Oui, oui, d'accord, bien sûr. Elle a baissé son bras. Oh non, j'aurais dû l'appeler Bayonetta. Oh, pas grave. Shady, coucou! Et nous, avec notre chambre paumée, on a des haltères dans notre lit! Ce lit est flambant neuf. Mais on a des haltères dans notre lit, regardez! Regardez les haltères! C'est des haltères! Oh mon Dieu! Oui, maman! Tu connais le professeur qui était derrière, mon trésor? Une célébrité spécialiste dans Pokémon, une vieille amie aussi. J'étais en train de discuter avec elle, et je sais que c'est un peu soudain comme question, mais dis-moi, mon trésor, ne voudrais-tu pas un Pokémon? Mais oui, je le veux. Bien, première étape réglée. Maintenant, tu connais le Pokédex. Oh, mais je sais que tu as été dresseuse avant moi, maman, du coup... Oui, j'en veux. Ah... Tu tiens ta mère, c'est sûr. Cette une tête bien faite et bien pleine. C'est pratique, n'est-ce pas? Cet outil qui enregistre automatiquement les Pokémon. Question suivante alors. Voudrais-tu un Pokédex? Mais oui, je viens de te dire oui que je veux. Ah oui, oui. Hihi. Mon trésor, ta carrière est toute tracée. Une jeune fille qui s'appelle Bianca va venir en ville pour te voir. C'est l'assistante de Keteria. Tu ne peux pas la manquer avec son chapeau. Elle sera là pour toi, mais je ne sais pas où elle est, où elle t'attendra. Elle tient à te donner, tada, un Pokémon et un Pokédex. Tu ne t'y attendais pas, j'y parie. Au fait...
J'ai mis un vocite dans ton sac. Tu sais comment on l'ouvre, non? Oui, je sais comment on l'ouvre. On n'est pas débile. Tu dois rencontrer Bianca, une fille avec un énorme chapeau. Comme c'est la première fois qu'elle vient ici, je ne serais pas surpris qu'elle se soit perdue. Va la chercher. Non mais oh, ok. Shelly! Bon, ça. Alors, ça y est. Mais c'est lui qui parlait. Alors, ça y est, t'as enfin un Pokémon? Ou toujours pas? Il n'y a pas de dresseur dans ce trou perdu. C'est d'un barbant. Hein? Il y a une fille qui s'appelle Bianca qui va te donner un Pokémon sérieux. La sœur de Klaus. Shelly! Si tu reçois un Pokémon, surtout prends-en grand soin! Elle a raison. Allez, on va le chercher ton Pokémon. Parce que j'ai des trucs à faire après avec toi. Après. Il n'y a pas que les Pokémon sur qui on peut compter. Il y a des gens aussi. Et j'ai confiance en toi. Bon, on y va? Oh, il est trop stylé! D'accord. Allez, au revoir, Shelly. Bon, faut qu'on trouve Bianca, c'est ça? Allez. Oh non! Il marche derrière moi. Oh non, c'est trop beau. Il est trop beau, mon ami d'enfance. Oh là là. Oh là 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 là. Mais où est-ce qu'il pourrait... Où est-ce qu'elle pourrait être? Elle pourrait pas être au nord de la ville. Ah non, je crois qu'elle est là. Oh là là, on va se mettre dans un des coins les plus beaux de la ville. Il est là. La colline? Je suis sûr qu'elle est sur la colline. T'as bien de choses là. C'est une fille, elle veut admirer le paysage, surtout si elle est jamais venue à Pavoneille. Allez, va récupérer ton Pokémon. Oh mais il est trop beau! C'est toi Bianca? Quel beau paysage! Si tu n'es pas d'accord! Pardon, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Bianca! Je suis l'assistante du professeur Ketelaria. Tu habites ici, alors tu pourrais m'aider. Je cherche quelqu'un qui s'appelle San Shadi. Tu la connais, cette personne? Oui, je la connais. Ajustement de lunettes. Ah, ok. Mais c'est toi, en fait. Quelle chance j'ai. Oh, on est vu. Oh, elle nous a salués. Bonjour, je suis très content de te rencontrer. Bon, je dois te poser une question. Quelques questions d'abord. Est-ce que tu veux bien essayer de compléter le Pokédex? Bien sûr. Merci. Grâce à toi, les recherches du professeur vont bien avancer. Surtout que remplir le Pokédex, c'est vraiment trop amusant. Mais je veux mon Pokémon! Et maintenant, tada! Ton futur partenaire se trouve là-dedans! Ah, mais il fallait lui parler. Oh! J'aurais dû vous montrer! Non! Pas grave. Alors. Attendez. Non! Vipélière! Cuicui ou Moustillon? Lequel serait le mieux adapté? Je vais prendre Moustillon. Déjà, j'avais directement l'intention de prendre lui.
Shady a obtenu un moustillon. Un moustillon, c'est ton choix parfait pour toi. Vous vous ressemblez. Tu veux une idée sûre, non? Oui, on va l'appeler. On va l'appeler. On va l'appeler. Je sais pas comment on va l'appeler. On va l'appeler. On va l'appeler. On va l'appeler Loutreuil. Loutreuil, ça te vient comme surnom? Oui. Je trouve que c'est un super nom, Loutreuil. Et crois-moi, j'ai beaucoup de goût. Mais arrête de baisser ton chapeau. Étape suivante, le Pokédex. Oh, puis c'est les couleurs roses. Le Pokédex, alors, c'est une machine high-tech qui enregistre automatiquement les Pokémon que tu rencontres. C'est incroyable la technologie. Bon, avec le Pokédex, j'aimerais que tu visites Unis pour partout pour enregistrer tous les Pokémon qui vivent. C'est pour aider les professeurs qui étaient là. Tu comprends? Oui, je comprends. En parlant au professeur, j'attends qu'elle me contacte pour qu'on puisse partir, d'accord? Ah ok, du coup on se casse. Oh! Oh, il est là! Bon, tu comptes me faire poireauter encore longtemps? Alors, c'est lui ton partenaire? C'est très bien ça. Tu te rappelles ce que disait ma frangine? Il faut en prendre soin. C'est... Et ce truc-là, c'est quoi? C'est un Pokédex. J'en veux un, moi aussi. Je veux devenir plus fort. Et avec le Pokédex là, je connaîtrai mieux les Pokémon. Donc, je deviendrai le plus fort. Tu es qui, toi? Moi, c'est Klaus. Je cherche quelque chose d'important. Alors, je voyage dans Unis avec mon partenaire Pokémon. J'ai pas bien compris tes histoires, mais c'est bien si tu peux voyager. Tu as de la chance, j'ai un Pokédex de trop. Les Pokémon vivent plus en... Les Pokémon vivent plus au même endroit que quand j'étais... que quand j'avais exploré Unis. Plus on est de gens à les étudier, plus on aura de bons résultats. Ouais, mais bon, là, il a dit qu'il veut devenir plus fort. Il a dit qu'il a jamais dit qu'il veut. Dis, j'ai une idée. Vous avez des Pokémon, tous les deux. Vous pourriez faire un duel. Yeah! Impec. Je vais voir quel genre de dresseur t'es comme ça. Mon vipédière, je l'élève depuis qu'il est sorti de l'œuf. Klaus, le dresseur, veut se battre. Alors faudrait surtout pas qu'on perde le premier épisode. Mimiqueux. Il fait directement charge.
Oh, il a sorti son coupilame. Charge. Pipelière, lance charge. L'autre œil, toi aussi utilise charge. La douleur de mon Pokémon est ma douleur. Je la ressens et je ne l'oublierai jamais. Oh, mais quel grand poème! Vipélière, utilise encore charge. L'autre œil, toi aussi utilise charge. Oh là 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 là. C'est tendu, mes frères. Vipélière, utilise encore charge. Oh, L'autre œil, toi aussi charge. L'autre œil niveau 6. J'ai perdu. J'y crois pas. C'est pas comme contre un Pokémon sauvage. Pas grave. T'es un bon dresseur. C'est tout ce que je voulais voir, savoir. Bon. Je mets les voiles. Toi, tu t'entraînes dur, ok? Vos Pokémon sont bien battus. Mais bon, ils sont encore faibles, car ils manquent d'expérience. Ça veut dire qu'il faut les entraîner. Bon, ton Pokémon est fatigué. Après un tel combat, on va l'emmener se faire soigner au centre Pokémon. Oh, merci, Bianca. Les centres Pokémon ne sont pas dans toutes les villes. Allez, viens, on entre. On rentre. Oui, Bianca. Oh putain, qu'elle est trop belle. Donc, je vais te faire découvrir les centres Pokémon. Non. Bon, je vais vous passer le tutoriel parce que franchement, on connaît tout ça. En tout cas, je vous dis merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans le prochain épisode de Pokémon Noir 2, le Nuzlocke Défi Challenge. Alors, je mettrai dans la description un lien qui vous mènera vers un Strawpole. Et sur le Strawpole, il y aura des défis pour le prochain épisode. D'ici là, je compte sur vous pour voter dans le Strawpole. Et on se retrouve dans le prochain épisode de Pokémon version Noir 2. Ciao !